Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo jeu. Mais attention, attention, pas des jeux habituels, on sera sur du jeu en réalité virtuelle. Ça fait depuis qu'on a emménagé que je n'ai pas joué avec le HTC Vive. Et j'ai regardé une vidéo du joueur du grenier avec Seb qui disait qu'à l'approche d'Halloween, ils allaient, Seb allait rejouer à des jeux d'horreur alors qu'il en avait horreur. Et ben moi aussi, pour ceux qui me suivaient dans mes lives que j'arrivais à faire dans l'ancienne maison où pendant une heure, deux heures la nuit, je jouais en fait en live à des jeux d'horreur et tout ça, vous me suiviez pour certains. Et vous rigoliez beaucoup à mes réactions de terreur. Vous savez que je déteste les jeux d'horreur. Ça me fout une chocotte pas possible. Pourtant, je fais des enquêtes. Hein. Le mec, il fait des enquêtes paranormales, mais il a les chocottes. Bref, c'est pas trop mon truc, mais je sais que ça vous fait marrer. Et moi, j'aime bien regarder des youtubeurs jouer à des jeux comme ça. C'est tellement drôle de voir sa réaction, surtout en réalité virtuelle. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, c'est un truc de taré. Une expérience vraiment de fou. Du coup, je me suis reconnecté les bases, etc. Je vais brancher tout matos et on va se retrouver sur un jeu qui s'appelle Arizona Sunshine, qui est un jeu auquel j'ai joué déjà plusieurs heures. Époque de l'ancienne maison, qui est en fait un jeu de zombies. Vous allez me dire, bon, c'est pas trop un jeu d'horreur. Oui, mais en fait, j'y ai joué en coopération avec un ami, et là, je vais être tout seul dans le jeu, seul contre des hordes de zombies, et autant dire que c'est quand même vachement les chocottes. Donc, j'ai hâte de vous montrer un petit peu ce jeu, et après, on passera sur des jeux un peu plus d'horreur, mais pour ça, en fait, il faut attendre un tout petit peu, parce qu'en fait, je les ai achetés, mais il faut que je les télécharge, les installe, etc. Donc, du coup, ça prend vraiment un bon moment de les installer. Je pourrais pas le faire ce soir. Donc, on va se retrouver sur un autre jeu. Je vais vous mettre, du coup, le GH5 qui me filmera, plus l'enregistrement de l'écran que vous verrez en direct, comme ça vous aurez en fait vraiment un montage switch entre moi, le jeu et tout ça. C'est la première fois que je vais monter une vidéo comme ça. Bon, j'ai déjà fait des vidéos VR, mais c'est la première fois que je vais monter avec ce matos là, cette façon de faire et tout. J'espère que ça rendra quelque chose de sympa, dynamique. Ça sera des scènes coupées, je vais pas laisser tout le long du gameplay et tout, ça sert à rien. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. On verra bien au niveau de la réception sur la chaîne, mais en tout cas, moi je sais que je vais prendre un plaisir à vous partager ça. Bon, mes chers amis, ce que vous ignorez, c'est qu'il s'est passé presque 2 heures entre l'intro de cette vidéo et la mise en place du matériel, parce que en fait, je suis allé faire de la compta avec Maeva et tout ça. J'espère que je suis pas trop sombre. Bah, désolé, hein, parce que je suis obligé d'ouvrir en grand pour que ça soit pas trop flou derrière. Et du coup, au niveau de luminosité, c'est pas le top. Normalement, tout est calibré. Normalement, tout devrait fonctionner correctement. Il m'a tout détecté. Et on va procéder du coup au jeu vidéo. Ah, j'y suis. Bon, vous voyez, je suis pas dans le noir. Ça va. Oh, il y a quelques Freddy's. Non, pas de mur ou un truc du genre ici. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? Et je peux me déplacer en vrai, hein. Si je veux, je peux me déplacer et ça me met des limites avec des cases en fait pour m'afficher les limites de la pièce pour pas me cogner. Si je fais comme ça, c'est pour recharger. Ah, j'ai plus de balles, putain. Non. Dis-moi, hors de mon chemin les mecs. Et là par exemple, je peux me cacher. Ah d'accord. Maintenant ils ont changé, faut que je change. Ok. Parce qu'avant c'était pas comme ça, je dois enlever mon chargeur. Alors, vider le chargeur. Mais... c'est censé me recharger quand je fais comme ça. Je crois que j'ai plus de balles. Par contre, ça va pas le faire hein, si j'ai plus de balles déjà maintenant. Alors je me déplace avec le bouton là. Je sais même pas où je suis. Je sais même pas si vous voyez. Oh, ça me plaît. Je suis petit, regardez, pour faire la vaisselle, putain, c'est un peu bordel. Je suis censé aller où là? Une pelle. Un truc là. Ouais, je peux rien prendre. Encore des armes. Ah, ça m'intéresse. Ah, là, on va plus rigoler, là. Si j'ose m'approcher. Voilà. En fait, j'ai compris les petits lags que j'ai. C'est parce que les bases ne me détectent pas. Faudrait que je recalibre un petit peu, je pense, les bases qui me détectent. Parce qu'en fait, dès que je sors un peu du champ, ça fonctionne plus. Ah, il y a encore des missions. Et je sais que mon ami avec qui je joue a souvent eu ce problème-là.
problème, c'est que je suis plus bon, frère. Ça c'est des experts comptables, ça se voit. Bien sûr. Allez, allons voir ce motel. Mais elles sont gigantesques. Non mais j'ai un problème de taille dans le jeu parce qu'elles sont gigantesques ces bagnoles. C'est comme si j'étais assis, tu sais. Bon écoutez, ça me file vraiment la gerbe à cause de ce bug, donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici, parce que j'en peux vraiment plus. Je vais bientôt dégueuler, je vais voir ce que ça donne au montage, si ça vaut le coup de monter une vidéo ou pas. Et je vais recalibrer complètement en fait toute cette histoire, parce que là moi ça va pas, ça, c'est vraiment absolument dégueulasse la sensation que ça donne. Peut-être quand ça rame comme ça, ça vous file la gerbe. Et vu que c'est une nouvelle installation, je pense que c'est pour ça. Alors comme je vous disais, en fait, le problème, c'est que ça file absolument la gerbe quand le jeu rame comme ça. J'ai resynchronisé les bases juste avant de jouer et tout, mais visiblement, les bases sont pas bien synchronisées. Attendez, je vais remettre un peu de luminosité. J'ai eu chaud, oh la vache. J'ai bien chauffé de la tronche, là. Oui, donc les bases, ça va pas du tout. C'est mal synchronisé. Donc je vais voir ce que ça donne, je vais resynchroniser tout ça pour refaire d'autres vidéos. Mais là, il faut vraiment régler le problème parce que sinon, je vais dégueuler. Clairement qu'on se le dise, là, ça me donne envie de gerber. J'espère que ça vous a plu quand même, c'était vraiment une grosse catastrophe cette vidéo VR, mais bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Je m'attendais pas à ce que ça plante comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.